Giornalisti marocchini nel mondo e le sfide della comunicazione. Questo è il tema della conferenza organizzata dal Consiglio della Comunità Marocchina all'estero, tenutasi il 17 febbraio al Salone Internazionale dell'Editoria e del Libro a Casablanca, in Marocco. Un'immagine stereotipata negativa degli arabi e musulmani ha ancora la meglio nei media occidentali. Che il y a beaucoup de d'informations qui sont erronées à propos de l'arabe. Ma quali possono essere le cause? Ce lo spiegano Said Sulami, direttore del Centro per la Libertà dei Media nell'area MENA, e Mohamed Alami, corrispondente marocchino di Al Jazeera a Washington. Actuellement, des médias pensent que la communauté musulmane est la source du terrorisme. C'est à cause de manque d'éducation, de culture, la marginalisation économique, les problèmes sociaux et la pratique de la religion. Je parle des stéréotypes. Mais il y a aussi quelques médias qui pensent que la communauté musulmane vit des problèmes qui sont le résultat d'une politique de long terme, c'est-à-dire une ancienne politique aussi de marginalisation, de racisme, d'exclusion. Maintenant, les effets sont visibles. Mais si on rentre à l'intérieur, on voit beaucoup de groupes dans cette communauté qui vivent en harmonie avec la société, qui ont adopté les valeurs de la laïcité, qui n'ont aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité, mais qui n'est pas visible dans les médias dominants. I don't think there's a clash of civilizations, but I think there was a lack of profound coverage in the media. The other is always bad. You have to figure the other. But when you get closer, you take another look, you see probably the different picture. I think we need some tolerance, some willingness to read and go beyond the headlines to understand what the other side, at least for our own information. Nel combattere questi stereotipi, che ruolo hanno i giornalisti arabi e non? Je crois que les journalistes européens, non musulmans, je parle, ont le devoir de comprendre cette communauté, de s'approcher. Le journaliste marocain ou le journaliste arabe ne peut pas remplacer la diplomatie. C'est-à-dire que lui, en tant que journaliste, il va peut-être corriger des erreurs quand il les voit, mais il ne peut pas remplacer les diplomates ou les ambassades.